Les amis, bonjour. Hier, mes frères d'une autre mère, mes sœurs aussi d'ailleurs. Alors, comment ça se passe? Je me souviens à très longtemps, pendant que j'y pensais, j'étais encore adolescent et je faisais beaucoup de sport. Je partais particulièrement avec un ami, un frère, Nono. On allait faire du basket, du football et beaucoup d'autres sports. Et chaque soir, je rentrais à la maison fatigué, mais surtout mouillé, mouillé de sueur. Et ma mère me faisait reproche disant, va te laver. Ne reste pas là assis comme ça pendant trop longtemps, de peur que la sueur ne sèche sur ta peau. Résultant ainsi à quoi? À la croissance des corps étrangers, entre autres champignons. Et je n'écoutais pas, j'étais très têtu. Je me souviens, maman et moi, on se prenait la tête pour ça. Va te laver, toi tu es comment? Tu n'aimes pas? Enfin, vous savez, 13 ans, 14 ans. Pas facile, hein, cet âge. Et c'était la bagarre, chaque jour. Éventuellement, quelques temps plus tard, j'ai eu des trucs qui sont poussés sur ma peau. Des champignons. Je suis allé chez mon père pour me plaindre, enfin, pour parler à papa. Ma mère surgit. De nulle part. C'est quoi ça? Ne t'avais-je pas dit de toujours aller te laver immédiatement après le sport? Toi, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu es comment? Enfin, vous savez comment ça se passe. Je me suis fâché contre ma mère. Je me suis fâché parce que pendant que maman me parlait, des visiteurs étaient là. Enfin, beaucoup plus âgés, des vieux, enfin, vous savez, des visiteurs de 40, 50 ans. J'ai pas aimé ça. Maman me dit, il faut pas te fâcher. Après leur départ, évidemment. Pourquoi tu te fâches? Il faut pas te fâcher. Il faut aimer celui qui te dit la vérité. Parce que celui qui te dit la vérité, même quand c'est déconfortant, est celui qui t'aime véritablement. Et là, on ne parle pas de ceux qui veulent te nuire. Une personne qui veut vraiment te dire la vérité pour t'aider à faire les bons choix, pour t'aider à ne plus tomber dans les mêmes trous, n'est pas une personne qu'il faudrait haïr. Il faut aimer de telles personnes. Il faudrait plutôt éviter ceux qui te disent toujours ce que tu veux entendre pour te conforter dans ton mensonge. Et c'est vrai, c'est une leçon que j'ai gardée jalousement et que j'ai compris avec le temps parce que beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent ceux qui leur disent des mensonges. Des mensonges qui vont dans le même sens que leurs propres mensonges personnels pour soutenir leurs échecs, leurs insuffisances, leurs inconformités. On préfère entendre une personne qui te dit « Oui, tu avais raison, tu vois là, ce n'est pas de... » Ça te fait du bien. Au lieu d'entendre « Non, tu avais tout faux, il fallait faire différemment. C'était ta faute. » Très peu de gens sont prêts à entendre ça. Très peu sont prêts à confronter la vérité en face. Parce que la vérité, c'est comme un lion. La vérité est comme un lion. Le mensonge est comme un lapin. Il faut le protéger quand il court dans les rues, dans les avenues. Hein, parce qu'il risque d'être attaqué par des chats, par des chiens, par des voleurs, par des sans-abri. Mais un lion n'a pas besoin de garde, n'a pas besoin de protection. Il sait comment défendre sa personne, peu importe où vous le placez. Aujourd'hui, je voudrais vous partager, comme vous l'avez vu sur évidemment avant de cliquer, une information très intéressante. Mais il ne faut pas vous fâcher. Il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens. Je pense qu'il est essentiel de voir la vie d'angles différents. Il ne faut pas toujours penser pouvoir voir la vie d'une seule façon et croire pouvoir comprendre la vie. Dans la vie, quelquefois, on se trompe. Quelquefois, on a tout faux. Quelquefois, on voit les choses complètement de travers. Et il faudrait donc avoir des gens qui sont capables de nous dire des choses quelquefois brutalement, mais pour éveiller quelque chose et nous empêcher de refaire les mêmes erreurs. Alors, vous vouliez savoir, évidemment, avant de cliquer, pourquoi les hommes quittent les femmes avec les enfants? Ou encore, pourquoi les hommes abandonnent leurs enfants entre les mains de leur petite amie? Ici, je veux me focaliser plus sur les relations amoureuses, girlfriend, ou petite amie, copinage, peu importe comment vous appelez ça. Pas les mariages. Parce que dans les mariages, c'est un peu plus complexe, si pas beaucoup plus complexe. La raison pour laquelle les hommes abandonnent un enfant ou une grossesse, ne cherchez pas de gauche à droite. Il y en a plusieurs. Je vais vous donner les principales raisons. La première, c'est parce qu'elle n'était pas intéressée par vous. C'est pas parce que c'était un salaud ou un connard ou un... Oui, il était peut-être instable d'une certaine façon. Mais c'est principalement parce que vous étiez pour lui seulement un plan cul. Ouais. C'était simplement physique, intime, pas intime sur le plan mental, mais intime sur le plan physique. Comprenez une chose, la plupart d'hommes se servent de la femme d'abord pour le sentiment, pour l'émotion physique. La plupart. Ça, c'est la première chose.
Parce qu'aucun homme ne veut d'une femme qui ne puisse plaire, ou, non, dans ce sens-là. Pour être attiré vraiment par une femme, même vouloir épouser une femme, on veut d'abord s'assurer qu'on va passer le reste de sa vie avec une personne qui pourra satisfaire nos plaisirs dans ce sens-là. Pour ne pas dire les mots exactement, sinon voilà, cette plateforme est bizarre. Quand un homme te quitte avec un enfant, ou te quitte après lui avoir annoncé que tu étais grosse, ou te quitte après avoir fait le bébé, ça veut d'abord dire qu'il n'était pas intéressé par toi, tu étais son plan cul. Et peut-être que tu ne le savais pas. Je sais que ce n'est pas génial à entendre. Ce n'est pas agréable. Parce que toutes les femmes vous diront, non, on est sortis ensemble et tout ça. Bon, écoutez, vous savez, on pète le plan cul de quelqu'un sans vraiment le savoir. Parce qu'on ne tire pas attention. Parce qu'on n'est pas attentif. Oui. Les femmes jouent leur jeu aussi sans que les hommes ne le sachent. Mais si un homme pense que tu es son plan cul, il n'y a aucune chance de pouvoir renverser la vapeur à travers un bébé. Et ce n'est pas pour dire qu'un plan cul ne peut pas devenir the main chick ou la femme principale. Ce n'est pas pour dire ça. Un plan cul peut progressivement devenir la femme qu'on aime, la femme qu'on respecte, la femme qu'on veut. Ça arrive à travers principalement les expériences. Si la femme, par exemple, prouve qu'elle est digne de confiance, qu'elle est forte, qu'elle est battante, qu'elle est courageuse, qu'elle apporte un plus dans le sens émotionnel, qu'elle stabilise l'homme à ses côtés, qu'elle est inévitable, que sa présence est inébranlable. On peut progressivement dire, bon, ok, elle était plan cul, mais je pense qu'avec le temps, je réalise combien cette fille est très important, tout très bénéfique. Simplement, il faut dire ceci. Il ne faut pas confondre amour et autre chose. La deuxième raison pour laquelle, on reviendra sur la première, pour laquelle les hommes abandonnent les femmes avec un enfant, c'est peut-être parce que tu étais impoli, insolent, irrespectueuse, un comportement bizarre, malheureux. Ça arrive. Il ne faut pas le dénier. Ça arrive. Ça n'a peut-être pas été votre cas, mais ça arrive. Dans ce cas, il y a deux cas, deux options. La première option, c'est l'homme te quitte, mais ne quitte pas tout à fait son enfant. Parce que toi, tu étais impoli, insolente, il te quitte, mais il reste attaché à son enfant. Dans d'autres cas, il y a les hommes qui te quittent et quittent ton enfant aussi. C'est bien? Non, ce n'est pas bien. C'est juste? Non, ce n'est pas juste. Mais ça arrive. Maintenant, on va rentrer dans l'autre premier cas. Quand un homme ne veut pas de toi, enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vouloir passer un moment d'intimité avec toi. Contrairement aux femmes, généralement. Quand une femme ne veut pas de toi, elle ne fait pas d'intimité avec toi. Parce que ça va déjà en l'encontre de sa personne. Pour les hommes, ce n'est pas toujours valide. L'homme trouve cet acte comme boire du Fanta ou un Coca ou un hamburger. Bon, ça ne veut pas dire que voilà, il va faire de l'hamburger sa nourriture principale. Bon, il a juste mangé un hamburger. Pour les femmes, en tout cas pour beaucoup de femmes, ce n'est pas le cas. Pour les femmes, quand la femme s'offre à toi, elle le fait vraiment avec tout ce qu'elle a. Pour beaucoup de femmes, pas toutes les femmes, parce qu'on sait qu'il y a des femmes ici qui ont des hybrides. Hybrides. Pour les femmes, souvent quand une femme s'ouvre à toi sur le plan intime, c'est parce que, après mûre réflexion, elle a pensé que tu en valais la peine. L'homme, beaucoup d'hommes en tout cas, peuvent prendre même un... Enfin, même... Peu importe. Du moment qu'il a passé un 2 minutes, 3 minutes de... Voilà, ça passe. Maintenant, il faut savoir se prémunir au lieu de juger la situation. Au lieu de dire, ouais, c'était un salaud, c'était un con, tout ça. Dites plutôt, je me suis trompé. Au lieu de dire, bah, il s'est foutu de ma gueule. Attendez. Très souvent, si vous regardez méticuleusement, vous êtes consciente. Vous serez consciente si vous ne l'êtes pas déjà. Que ce monsieur ne s'est pas vraiment investi dans cette histoire. Comme vous l'avez fait. Ou comme une personne normale le ferait. Ou si s'est investi, il a fait beaucoup trop vite. Beaucoup trop fort. De manière beaucoup trop importante. Comprenez une chose, quand il n'y a rien, il n'y a pas d'investissement, ça veut dire que ce n'est pas correct. Quand il y a un peu trop d'investissement, ça veut dire que ce n'est pas correct. Les deux extrêmes sont très dangereux. Quand quelqu'un vient sans vraiment venir, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Quand quelqu'un vient de trop, bonjour lundi, mardi, bonjour, mercredi, bonjour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Le problème ici, c'est très souvent les femmes se jettent dans des histoires après avoir senti un sentiment fort, après avoir ressenti des chaleurs, après avoir ressenti quelque chose. Elle se dit, ah, j'y vais. Comment se prémunir? Observez le gars. Donnez-lui le temps de vous convaincre qu'il est vraiment là pour rester et qu'il n'est pas là pour un sentiment, bref. La grande différence entre la communauté anglophone et francophone est celle-ci. Chez les anglophones, on peut admettre qu'on peut avoir une relation purement... intime, hein, intime dans le sens de dire le mot là que vous connaissez.
sans rien. Donc une relation, il y a même des appellations pour ça. Il y a friend with benefit, c'est-à-dire ami avec bénéfice. Il y a no strings attached, ça veut dire il n'y a pas de lien qui nous attache. On se rencontre jeudi pour faire l'histoire là, vendredi ou lundi. Mais je ne te demande rien sur ta vie, tes histoires personnelles ne me regardent pas, il n'y a rien de... Enfin, chacun prend ses responsabilités, tout le monde se protège et peu importe. Chez les francophones, c'est un peu plus compliqué. Parce que les francophones, généralement, sont hypocrites. Ne veulent pas admettre qu'ils peuvent avoir une relation où il n'y a rien de solide, hein, que c'est purement dans ce sens-là. Ah, il y a trop de shaming, trop de honte dans les communautés francophones. On préfère faire semblant, faire des trucs en catimini, au lieu d'admettre ouvertement, ah, c'est mon friend friend with benefit, c'est mon no string attached. Donc c'est mon quelqu'un, quoi, on se rencontre pour ça. Chez les francophones, c'est oh, on ne fait pas ce genre d'histoire. Voilà pourquoi il est plus facile d'assumer, plus facile de se protéger dans cette autre communauté, quand on sait que je ne demande rien de plus à part ce qu'on est en train de passer ici pendant 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 1 heure du temps. Chez les francophones, on a tendance à toujours présumer ou croire que voilà, comme on a commencé ça, c'est-à-dire qu'on va se marier. Ou même en sachant qu'on n'ira pas nécessairement à ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque je sais que vous n'allez pas vous abstenir, je vous encourage de vous protéger. Protégez-vous pour savoir si vraiment monsieur veut aller à ce niveau-là. Dites-lui, écoute, on va se protéger jusqu'à ce que tu iras voir mes parents. Alors là, on va faire ce que tu as envie de faire. Non, on va parler sans langue de bois, hein, parce qu'on aime trop l'hypocrisie. Je vais vous dire la vérité. Dites-lui, on va se protéger. Quand on va sentir que maintenant tu es prêt à aller voir mes parents, et puis on verra ce qu'on pourra faire après ça. Regardez combien de messieurs vont vous quitter. Et croyez-moi, tous ceux qui vous quitteront pendant cette époque-là sont des gens qui ne voulaient pas être avec vous pour de vrai. Pourquoi je choisis de vous dire de vous protéger? Parce que je sais que vous n'allez pas vous abstenir. Au lieu de vous mentir, prétendant faire la bonne valeur, je préfère vous dire la vérité. Quand vous vous protégez d'abord des grossesses, vous vous protégez des erreurs, vous vous protégez des contaminations, vous vous protégez de regrets. Et croyez-moi, si vous cassez avec une personne avec qui vous êtes toujours protégé, ça fera moins mal que casser avec une personne avec qui vous êtes allé comme ça, comme ça. Ça, c'est la règle. Vous le savez mieux que moi. Il faut éviter l'hypocrisie. Regardez les choses en face. La raison principale pour laquelle les hommes quittent une femme après lui avoir annoncé « je suis enceinte », c'est parce que pour toi, c'était ton homme et pour lui, tu étais... La raison principale pour laquelle les hommes quittent une femme après lui avoir annoncé qu'elle était enceinte, c'est parce que pour lui, elle n'était qu'un... Comment vous appelez ça? Voilà. Ce n'était qu'une histoire de... Et peut-être qu'elle ne le savait pas. On peut comprendre, c'est peut-être pas de votre faute. Mais comprenez une chose, protégez-vous. Protégez-vous. Mais certains hommes assument leurs responsabilités malgré tout, prennent soin de l'enfant. D'autres ne le font pas. Ça fait partie de la vie, enfin. Certaines personnes quittent aussi, pourquoi? Parce que peut-être que vous étiez pour lui une escale. Un moment où il essayait de réfléchir pour voir est-ce que je vais avancer avec elle ou pas. Vous tombez enceinte immédiatement. Il trouve que c'est un peu trop pressé. C'est pas ce qu'il voulait. C'est trop vite. Peut-être qu'il voulait vraiment rester avec vous. Mais c'est venu trop vite. Alors il trouve que non, moi je ne suis pas prêt à assumer ses responsabilités. Je ne pense pas aimer cette femme à ce point-là pour pouvoir avoir un enfant avec elle. Je n'ai pas encore développé des sentiments avec elle pour en arriver là. Et là, je ne parle pas des femmes qui tombent enceintes par hasard. Les femmes, il y a aussi celles qui tombent enceintes espérant garder un monsieur. S'il n'est pas amoureux de vous, il ne restera pas, il va partir. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mais est-ce qu'il faut dire, ah, c'est la responsabilité de deux personnes? Oui, vous avez raison. Mais c'est plus votre responsabilité de vous protéger. Parce que c'est vous qui allez porter cet enfant, pas lui. Donc c'est à vous de dire, non, s'il n'y a pas cette histoire-là, on ne fera pas cette histoire-là. Donc présente-toi avec cette histoire-là pour qu'on fasse cette histoire-là. Sinon, il n'y aura rien entre nous. C'est plus votre responsabilité que, ça, que ce n'est sa responsabilité à lui. Lui, il est là, il est en train de prendre son temps. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, pff, tant pis. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Pas grand-chose. Donc c'est à vous de vous assumer. Il faut regarder les choses en face. Au lieu de se plaindre, ah, il m'a fait ça, il est parti. Peut-être que vous avez raison. Mais la vie n'est pas jolie, elle n'est pas belle. Je suis désolé de vous le dire. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Les gens profitent des gens, ça fait partie de la vie. Un homme qui t'aime ne peut pas te quitter. Parce que tu lui dis que tu es enceinte. D'ailleurs, il dira, waouh, comment on va faire? Il y a des hommes qui ont quitté leur foyer pour aller se mettre avec une fille qu'ils ont engrossée quelque part. Il faut penser à ça. Celui qui part n'était pas nécessairement salaud. Il n'était pas amoureux de vous. Ce n'est pas vous qui voulez. Maintenant, protégez-vous au lieu de toujours l'accuser. Ah, il a fait ça, il a fait ça. D'accord, mais bon, attendez. Et après, vous allez retomber dans les mêmes erreurs, même cycle. Protégez-vous. Mais beaucoup ne le feront pas.
Parce qu'on aime trop cette histoire. Il faut l'avouer, on aime trop cette histoire. Mais protéger, est-ce qu'on mange les bonbons avec les chocos? Comment vous appelez ça? Si vous vous protégez dans ce sens-là, vous protégez votre vie dans beaucoup de sens. Les pasteurs, excusez-moi, je préfère ne pas mentir, hein, je veux dire la vérité. Parce que de toutes les façons, même les choristes là sont tous comme ça. En tout cas, 95%. Protégez-vous. Dites-lui, si tu veux aller à la prochaine étape, va voir mes parents, comme ça on fera ce que tu as envie de faire. Et vous verrez, 90% vont fuir. Ceux-là sont des menteurs, des trompeurs. Au moins, au lieu d'être passé là comme ça gratuitement, au moins vous êtes protégés. Merci à vous. J'espère qu'on a appris quelque chose. On en parlera peut-être prochainement si vous désirez. Faites-nous savoir sur les commentaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Mais il y a aussi des façons de s'y prendre pour attirer son attention, pour créer cette sympathie, créer ce sentiment-là entre ce papa parti et son enfant. Parce qu'il y a beaucoup de papas partis qui trouvent qu'ils ont été roulés par la femme. Peut-être qu'ils voulaient une relation avec toi, mais petit à petit, en 6 mois ou en 9 mois, mais après 3 jours, tu es tombé enceinte. Ils trouvent que tu t'es servi de lui. Ils trouvent que tu t'es servi de lui. C'est pas ce qu'il voulait. Il voulait juste que vous parliez. Vous en êtes arrivé là, tu es tombé enceinte. Et ce n'est pas pour dire que ce qu'ils ont fait est correct. C'est pour dire, je me mets dans la tête de cette personne. Il faut voir les choses de deux côtés. Pour comprendre un voleur, il faut savoir comment le voleur réfléchit pour contrer des voleurs dans leur perspective. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Faites un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.